عشينا ولا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا ولا عهد ومعهود علينا فبايعنا رغم العدا لن ننسى طول المدى وحياك ربي ذيب ستة يا رفاع سبعة وحق أهلي الكسائل خيام سوي تسعة سليل الهايد لا شك صوتنا يسمع نصيح بصوت يا ابني الطاهرة البضعة إذا تبخل عليك الناس بالدمعة عهدنا وياك بالدم سيدي واقعة حسين حبه يمحو الخطايا. Nous sommes tous réunis aujourd'hui, ici, sur le parvis des droits de l'homme, en 2016, pour nous souvenir d'un homme qui a sacrifié sa vie au nom de la justice et de la tolérance il y a 1400 ans. Mais pourquoi donc est-il essentiel pour nous de nous souvenir de ce sacrifice après tant d'années ? Je pense que l'une des raisons, c'est qu'au sein de notre communauté, mémoire et identité ne forment qu'un. La mémoire du passé est un élément central de notre identité. La transmission de cette mémoire permet de nous lier les uns aux autres et de nous rappeler les valeurs que nous défendons. Seule la mémoire permet de relier ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Ainsi, si nous sommes tous ici, c'est pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et quelles sont nos valeurs. Nous avons tous hérité des valeurs de Hussein. Et pourtant, dans les actes de la vie quotidienne, nous ne faisons pas honneur à ces valeurs et nous oublions cet héritage. Mais quelles sont les valeurs de Hussein ? Hussein est un modèle de pardon et de tolérance, valeurs qui nous font défaut de nos jours. Le jour de Ashura, dans l'après-midi, Hussein, ne pouvant plus se maintenir sur son cheval Zuljana, était tombé par terre. Puis, un long moment de silence s'en est suivi. Personne parmi les ennemis n'a osé s'approcher pour lui apporter le coup fatal. Un ennemi s'est avancé vers lui, mais vite, il a rebroussé chemin, car il a été témoin d'une chose incroyable. Il a vu Hussein murmurer. Il a déduit que celui-ci était sûrement en train de les maudire. Mais ayant tendu l'oreille, il a entendu les paroles extraordinaires qui ne peuvent provenir que d'une personne extraordinaire. Hussein faisait une prière pour ses ennemis. « Mon Dieu, pardonne mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette grandeur d'esprit est l'œuvre du maître de Karbala. Ceci est un enseignement pour tous ceux qui se disent partisans de Hussein. Soyons tolérants, pardonnons, même quand il s'agit de nos pires ennemis. L'ultime tolérance dont a fait preuve Hussein fut face à l'armée de Yazid, quand celle-ci lui bloqua le chemin, l'empêchant de se rendre à Koufa. L'armée de Yazid était alors assoiffée et au bord de l'épuisement. À ce moment-là, au lieu de profiter de l'occasion et d'anéantir ses ennemis quand il le pouvait, Hussein a apaisé leur soif. Et même les animaux ont goûté à la largesse de Hussein. Et pourtant, quelques jours après, cette même armée de Yazid exprima sa reconnaissance en privant Hussein et sa famille d'eau pendant 3 jours. Cette tolérance de Hussein continua à s'exprimer le jour de Ashura. Quand Houd, chef de l'armée de Yazid,
s'est présenté à Hussein en invoquant son pardon, Hussein l'accueillit à bras ouverts, sans aucune rancœur. Hussein a également prôné l'égalité. C'est une valeur qui a fait la beauté de l'islam et surtout au temps du prophète. Nous savons que les compagnons du prophète étaient d'origine diverse. Il y avait des gens d'origine noble, mais aussi des esclaves affranchis. Et la beauté dans tout cela, c'est qu'ils étaient égaux, comme les dents d'un peigne. D'ailleurs, le prophète dit « Les gens sont égaux comme le sont les dents d'un peigne. Aucun mérite de l'arabe sur le non-arabe, ni du blanc sur le noir. » Les gens, dans leur diversité, sont comme les couleurs d'un tableau. Chaque couleur a son mérite et son importance. À Karbala, on retrouve aussi cette notion d'égalité. Ainsi, des gens de diverses origines et de différentes positions sociales ont accompagné Hussein. Mais l'une des plus grandes valeurs que Hussein a défendues est le combat pour la justice et la lutte contre l'oppression. Hussein a dit « Je ne vois pas la mort autrement qu'une félicité et la vie avec les tyrans autrement qu'une humiliation. » Hussein nous éclaire également sur ses motivations quand il dit « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni par arrogance, ni dans l'intention de semer la corruption, ni de commettre l'injustice. Je me suis soulevé pour demander la réforme de la communauté de mon grand-père, pour ordonner le bien et interdire le mal. » Voilà la voie que l'imam Hussein a tracée de son sang pour sauvegarder les valeurs humaines. Et nous, reflétons-nous ces valeurs? À quel point sommes-nous tolérants? Soulevons-nous notre voix quand nous voyons une injustice? Hussein, par ces quelques valeurs que je viens de citer, a inspiré grand nombre de non-musulmans. Gandhi dit « J'ai appris de Hussein comment être opprimé et remporter la victoire. » Thomas Carlyle dit « La meilleure leçon que l'on a apprise de la tragédie de Karbala et que Hussein et ses compagnons étaient de véritables croyants en Dieu. Ils ont montré que la supériorité en nombre est sans importance lorsqu'il s'agit de vérité et de mensonge. La victoire de Hussein, en dépit du petit nombre de combattants avec lui, me laisse émerveillée. » Ainsi, Gandhi, Thomas Carlyle et bien d'autres ont été inspirés par Hussein. Et vous, à quel point Hussein vous a-t-il inspiré? Merci. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je l'aime, d'un amour personnel et qui seul me concerne. Laissez-moi vous montrer que seul moi le comprends et qu'il m'a choisi parmi tous ces gens. J'aime Hussein car je suis opprimé. J'aime Hussein car je suis opprimé et mon cœur ne s'apaise qu'avec sa pensée. J'aime Hussein car je suis un homme libre, inspiré d'un homme que ne peuvent décrire les livres. J'aime Hussein car je suis amoureux. J'aime Hussein car je suis amoureux de ses actes, sa bravoure, son exemple lumineux. J'aime Hussein car j'aime la beauté. J'aime Hussein car j'aime la beauté, il est la lune de mes nuits, le soleil de mes journées. J'aime Hussein car j'aime la paix, et même dans la guerre, seul lui me calmait. Et enfin, j'aime Hussein d'un amour magnifique, et surtout, j'aime Hussein d'un amour unique. Et moi aussi j'aime Hussein en tant que femme plus que tout. J'aime Hussein car il a protégé la femme en se battant pour ses droits, corps et âme. J'aime Hussein car c'est ma lueur d'espoir, c'est lui qui a changé le cours de l'histoire. J'aime Hussein car il sacrifia sa vie pour nous rendre liberté dans ce monde obscurci. J'aime Hussein car c'est le miroir du divin. Il permit au bonheur un lendemain. J'aime Hussein, car c'est sa voix qui m'inspire chaque jour dans ma foi et mes désirs. Penser à lui m'apaise et me soulage. Sa lumière me guide et assure mon aiguillage. J'aime Hussein, car pour nous, il sacrifia sa vie. Son message dure encore jusqu'à aujourd'hui.
dans nos cœurs et nos âmes, notre seul appui, le message éternel d'un maître intemporel. Cet amour-là, tâchons de l'allumer. Allumons la flamme de nos cœurs avec cette bougie-là, tous ensemble. Merci. Donc c'est le moment de la veillée aux bougies. Je vous propose que chacun puisse la lever afin qu'elle puisse être visible par tous. Victorieux, Hossein, victorieux,
que l'on soit musulman, hindou ou bien chrétien, ton nom dépasse tous les clivages humains. Que l'on soit musulman, hindou ou bien chrétien, ton nom dépasse tous les clivages humains. Tu es la voix du vrai, la voix de l'opprimé. Tu es la voix du vrai, la voix de l'opprimé. Tu es ce nom qui change. Tu es ce nom qui change toute destinée. Victorieux, Hossein, victorieux, victorieux, Hossein, victorieux, victorieux, Hossein, victorieux, victorieux, Hossein, victorieux. Tous ont enduré de bien nombreuses peines pour sauver le message et ses valeurs humaines. Tous ont enduré de bien nombreuses peines pour sauver le message et ses valeurs humaines. Rendons leur hommage au travers de ces vers. Rendons leur hommage au travers de ces vers. Reprenons en cœur cette cause qui leur est chère. Victorieux, Hossein, victorieux, victorieux, Hossein, victorieux, victorieux, Hossein, victorieux, victorieux, Hossein, victorieux, 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 victorieux. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. Les salutations de Dieu soient sur toi, ô Abba Abdullah al-Hussein. Le symbole de l'amour de l'humanité. L'amour étendu. L'amour de Hussein qu'on le trouve ici à Paris, comme dans toutes les villes, toutes les capitales, comme on l'a trouvé il y a quelques jours en Irak, sur le chemin de Karbala. Quand on dit chaque jour c'est Ashura et chaque terre est Karbala, c'est vrai. Chaque terre est Karbala, ça veut dire chaque terre est l'amour. Hussein alayhi salam, qui a aimé tout le monde, il a pleuré pour tout le monde, il a essayé d'aider tout le monde, il a même pleuré pour son ennemi et pour ses ennemis. Il a donné à boire à ses ennemis. Ce n'est pas des paroles, mais c'est des pratiques. Le message de l'imam al-Hussein est aujourd'hui pour tout le monde. Ce message est envoyé à nous, avant les autres, à nous ici, présents ici, et à toute l'humanité. L'imam al-Hussein nous demande de s'aimer entre nous. Celui qui n'aime pas l'autre, il n'est pas dans l'école de l'amour de l'imam al-Hussein. Et je pense que nous sommes tous et toutes concernés par ce message de l'imam alayhi salam. Regardez
les exemples et les histoires de l'imam Hussein. Avec un chami, quelqu'un qui était manipulé par les médias de certains ennemis de l'islam, à Damas, il pensait que l'imam Hussein, le fils de Ali, est une mauvaise personne. C'est pour cela, quand il est venu vers l'imam, au début, il a pensé qu'il a aimé la personne, il a aimé l'imam par la lumière qu'il a trouvée dans le visage de Hussein. Il était attiré par sa personnalité. Il a demandé, c'est qui ce monsieur? J'ai un respect pour ce monsieur. Ils ont dit que c'est ce monsieur et Hussein ibn Ali. Hussein ibn Ali. Ali qui? Ali ibn Abi Talib. Ils ont dit oui. Il a dit non, je le déteste. Pourquoi? À cause des médias. Comme aujourd'hui, vous savez, c'est le même, la même histoire et le même problème malheureusement. Il est avancé vers lui. Il a commencé à insulter l'imam Hussein. Beaucoup d'insultes. Et l'imam regardait le monsieur, souriant. Quand il a terminé, il a dit que je pense que tu t'as trompé. Tu t'es trompé et moi, je suis une personne que si tu as un besoin d'aide, je suis présent. Si tu es assoiffé, je vais te donner à boire. Si tu as faim, nous sommes là pour te présenter de nourriture. Nous sommes là pour t'aider. Si tu n'as pas de refuge, nous sommes là pour te donner le refuge. Et lui, il regardait et il écoutait. Et il a dit que j'ai une honte. Comment je fais et comment il m'a répondu? C'est ça le message de l'imam. C'est ça le message de l'amour. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un message plus important dans toute l'histoire de toutes les religions et surtout dans l'histoire de l'imam Hussein, alayhi salam, plus important que l'amour et le respect pour l'autre. Aujourd'hui, nous pouvons ici un pacte avec l'imam Hussein, que déjà entre nous, nous serons des gens qui s'aiment, et avec les autres, on aime tout le monde. Comme on a vu que l'imam Hussein, dans son camp, il y avait des chrétiens, on a trouvé des chrétiens comme Wahhab et comme les autres. On a trouvé de plusieurs ethnies, de plusieurs religions, de plusieurs races dans le camp de l'imam Hussein. Laissons à côté tout ce qui divise, entre les gens, tout ce qui divise entre nous, tout ce qui divise entre l'humanité, et laissons le message d'amour, le message d'humanité de l'imam Hussein passer partout, Inch'Allah. ببركتي الصلاة على محمد وآل محمد. كي حسين؟ كي حسين؟ Que puis-je dire après le passage de Cheikh? Je me sens impuissant. Mais qui est Hussein? Nous sommes tous ici réunis devant la Tour Eiffel dans ce froid. Pour qui Hussein? Qu'est-ce qu'on entend ce soir? Hussein. À chaque fois qu'on va parler entre nous, on va entendre le mot Hussein. Mais qui est Hussein? Nous sommes ici car nous cherchons nous-mêmes à savoir qui est Hussein. Alors, ce soir, on m'a demandé de parler de Hussein et de prendre un attribut de ce que c'est que Hussein. Je cherche, mais je me dis, quand j'entends Hussein, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Il me vient à l'esprit un mot. Un mot que vous avez tous entendu. L'espoir. Hussein, c'est l'espoir. Mais alors, qu'est-ce que l'espoir?
L'espoir, on peut la diviser en trois perspectives. La première, c'est le fait d'espérer. C'est le fait donc, l'instant sacré qui nous donne confiance dans la réalisation d'un avenir, de quelque chose de favorable, quelque chose que l'on désire. Ensuite, l'espoir, c'est le fait d'espérer en quelque chose. Et l'espoir, c'est également le fait d'espérer en quelqu'un. Alors, comment peut-on être celui qui centralise l'espoir dans toute sa globalité? Comment être celui qui peut avoir toutes ces facettes de l'espoir? Il suffit de s'appeler Hussein. Il suffit de sacrifier sa famille dans un désert loin d'ici. Et l'on peut commencer à comprendre ce qu'est l'espoir. L'on sacrifie tout ça au nom des valeurs de l'humanité, au nom de la vie et au nom de la vérité. On peut véhiculer l'espoir que si on peut mourir autour de nous, donner tout ce que l'on a et dire que l'on continue à se battre pour nos valeurs, les valeurs d'humanité. Si je donne l'option à mes frères fidèles de partir avant de mourir et que ces derniers décident de rester à mes côtés pour mourir à mes côtés, alors je suis l'espoir. J'ai entre mes mains ces valeurs fortes d'humanité. Les gens gardent à l'espoir Hussein, commémorent Hussein, racontent ce que c'est que Hussein. Car Hussein, c'est l'espoir d'un monde meilleur. C'est l'espoir d'un monde où l'injustice tombe face à la justice. C'est l'espoir d'une humanité capable de se battre pour ses valeurs. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se battent pour leurs valeurs. C'est également l'espoir de la paix, l'espoir de l'amour, l'espoir de l'entraide, l'espoir de Hussein et celle qui nous dit « ne lâche rien de ce qui est bien ». Hussein te montre l'exemple de vie et de mort et te donne espoir en la vie, en l'humanité, en la vérité. Celle d'un monde où les gens se regardent dans les yeux et ne dégagent de ses yeux des individus que l'amour de son prochain. Je vous remercie et je remercie ceux qui sont ici de garder espoir en l'humanité, de garder l'espoir en notre unité, de quelque bord que l'on soit, juif, musulman, chrétien, athée, gnostique, agnostique, pour l'unité de l'humanité, peu importe où nous sommes, tous ensemble, la baïka ya Hussein. La baïka ya Hussein. La baïka ya Hussein. Merci beaucoup. Salam alaikum. Du coup, notre événement touche bientôt à sa fin. Et j'aimerais que, avant de se quitter, on lève une dernière fois nos bougies pendant quelques minutes pour garder l'homme Hussein dans nos cœurs en cette nuit qui est maintenant tombée. Я хочу.